Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas d'Acronique Dinette TV. Merci à mes abonnés, merci à mes soeurs, mes frères, vous qui partagez mes vidéos, bino bao bozako, protéger la valeur de la femme, la valeur de l'enfant africain. Je suis là pour vous. Merci na ba partage na bino. Merci Nathan Oboza Kozua pour na kolanda ba mission na ngai. L'émission ici est farose, 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 très brutale. Alors na osenga na bino, soyez patients. Écoutez-moi jusqu'à la fin puisque les gens ont dérangé, ils ont provoqué mes enfants, ils ont provoqué les enfants de ma sœur. Lelo na zoyé la bino. Des personnes maudites dans la vie, les personnes qui n'ont pas de caractère, les personnes indignes, des cons et des connes dans la communauté congolaise, bah comme ils s'attaquent aux affaires de Nicky Menga. Mais où est le problème? Je vais vous relater les faits. Une fille de 15 ans qui n'est pas née au Congo, qui ne connaît même pas les valeurs des Bantous. C'est une Française du sang. Elle danse dans son média, dans son Facebook, sa propre vidéo. Elle a le choix de faire ce qu'elle veut. Malheureusement que les Congolais n'aiment pas la vérité. Les Congolais sont toujours dans des bassesses. Une petite fille de 15 ans qui est en train de danser une chanson américaine, je pense. Il y a un petit voyou, un maudit de naissance. Oya komi bi komela, si le titre, si la vidéo, elle écrit ne m'appelle pas la femme de Fally Poupa. Quelqu'un a écrit sur la vidéo de la fille. La fille, si vous suivez la vidéo, la fille ne parlait même pas. Elle chantait, elle faisait les pas de la chanson qu'elle écoutait. Mais il y a un petit voyou, un garçon de mauvais goût, soit une femme de mauvais goût, né dans une famille très pauvre, éduquée, une personne mal éduquée, mal élevée, qui n'a jamais eu même des enfants éduqués dans sa famille. C'est la personne là qui a écrit de n'importe pourquoi pour créer des baisses dans la communauté. Et puis la personne là, la personne qui sera attaquée, qui sera menacée, qui sera insultée, ça sera la petite fille ici de 15 ans. La petite fille Kélia Ipupa, là où tu es, soit dans les bons, soit calme. Que rien ne te dérange, tu es dans les bons, tu as le droit de faire ce que tu veux dans ta chaîne, tu as le droit de vivre ta liberté, la liberté d'expression, tu as le droit. En aucun cas tu as insulté ton père, en aucun cas tu as parlé de ton père, tu dansais, mais il y a des maudits, les gens qui étaient maudits le jour de leur naissance. Vous les gens qui m'écoutez, surtout les mamans, vous les mamans qui avez des enfants, est-ce que vous allez se rendre compte combien des enfants se tuent chaque jour à cause des harcèlements comme ça sur les réseaux sociaux? Beaucoup d'enfants, surtout ici en Occident, les enfants se tuent chaque jour à cause d'harcèlement sur les réseaux sociaux, que moi j'appelle bullying. Je ne sais pas si c'est le même mot avec le français harcèlement et le bullying en anglais. Les affaires se tuent chaque jour, chaque jour. Vous allez faire des commentaires de n'importe quoi. Vous voulez satisfaire la communauté. Bolingi communauté SCP là. Vous allez dire de n'importe quoi au détriment des enfants. Quand les affaires seront insultés, si les enfants ne sont pas capables de tenir les coups des insultes, si les enfants ne sont pas capables de tenir les coups des dérangements que vous créez, que vous créez au détriment de ces enfants, il y a des enfants qui se pendent, il y a des enfants qui prennent des médicaments pour se tuer. Au lieu de protéger la valeur, au lieu de protéger les enfants, vous êtes là pour les amener dans des catastrophes. Il y a Tala de Kin. Je pense que
nous, la communauté congolaise, on doit commencer à signaler les personnes qui font de telles choses dans la communauté. On doit commencer à les avoir dans des polices cybercriminelles de Facebook et de YouTube. Comme ça, ces gens-là vont arrêter. Puisque la police criminelle de l'Internet, quand ils vont les traquer en train d'abuser les enfants comme ça, alors, à ce moment-là, il faut se reprendre. Il connaîtront que Makambu Obazosala, ça ne tient pas debout. Ça ne fait même pas longtemps, il y a même pas une semaine, dans la vidéo, j'ai fait une vidéo concernant la fille aînée Aniki Menga. Il y a des personnes qui m'ont appelé, qui ont fait des messages, même mes vidéos. En disant que moi na wana zalaka falité pendant que Fally lui-même Fally a Côte d'Ivoire au Cameroun et là il a dit que il a une fille née à ce moment-là moi na wana zakina 18 il a dit ma fille c'est Keina Monique Ipupa. C'est lui Fally lui-même il a dit ça, mais il y a des traqués mentales, il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont toujours dans des drogues. Je pense qu'ils sont dans des drogues. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas la réalité des choses. Ils veulent toujours intoxiquer les enfants. Ils veulent toujours mettre les enfants dans des mauvaises situations. Pendant que les papas qui connaissent les enfants, le papa lui-même, il a dit que ma fille est née. Mais un petit voyou, c'est une femme d'ailleurs. La femme là, non, je vais dire ceci. Si je vois encore, tu fais des commentaires sur mes vidéos. Surtout la vidéo ici, j'avoue ton lien à la police criminelle parce que tu es en train de bullying, harceler les enfants. Si tu m'insultes, je suis content, je m'en fous des insultes. Si tu insultes, tout le monde, même si tu insultes, Fally, Ferré, ce n'est pas grave, mais n'insultez pas les enfants. Puisque tu ne sais pas s'il y a un enfant qui va lire des commentaires et tu ne sais pas l'effet qui va être derrière toutes ces choses-là. Il faut avoir des limites. Il faut savoir vos limites dans tout ce que vous êtes en train de faire. J'avais fait la même chose. Un monsieur voulait blaguer avec moi à Londres. Je pense que c'était le numéro 44. Il y avait deux garçons. Non, c'était trois. Mais deux, j'ai signalé deux garçons à la police criminelle de YouTube puisque c'était harcèlement. Ces gens-là, ils ont été contactés et ils ont demandé pardon. Et jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là ne sont jamais présentées sur ma chaîne. Peut-être qu'elles se présentent, mais ils ne peuvent en aucun cas mettre des commentaires bidons. Si vous voulez qu'on puisse vous respecter, vous devrez créer des lignes de conduite. Moi, dans la quatrième chaîne, si tu m'insultes deux, trois fois, surtout les insultes que je n'aime pas, j'envoie ton numéro au cybercriminel. Moi, je suis comme ça. Je ne blague pas avec les gens parce que je ne suis pas venu ici pour des bêtises. Si tu ne veux pas écouter ce que j'ai fait, il faut zapper. Ce qui olingi koyo kangaite, il y a beaucoup de chaînes. Alors il faut respecter les droits de chacun. Si tu veux regarder, c'est ton droit. Si tu ne veux pas, c'est ton droit. Si je fais ma vidéo, c'est mon choix et c'est mon droit. Tu n'as aucun droit de venir me contredire. Moi aujourd'hui, je m'adresse toujours aux gens qui veulent toujours rendre les enfants malades à cause des commentaires. Une petite fille qui me prend une vidéo et puis tu écris n'importe quoi. Il y a un monsieur, je ne sais pas tu as l'air de qui, si il aime un monsieur ou une femme. Tu n'as même pas vu la vidéo. Tu n'as pas fait des enquêtes puisque ça concerne un enfant. Ça concerne le sang de quelqu'un. La vidéo là, ça concerne directement les parents et les enfants. Mais tellement que tu n'es pas intelligent à la déquine, tellement que tu cherches de visibilité, tu cherches seulement des nombres de vies, je ne sais pas. Tu jettes de tels commentaires sur ta page. Tu oublies que les choses qui sont écrites sur la page là, ça ne vient pas de la fille. Donc tu es déjà auteur de ce que tu as fait. C'est toi qui es auteur, commanditaire de bêtises pareilles. La fille ici, Kélia, elle n'a rien à foutre avec ça. Elle n'a même pas dit ça. Si vous écoutez la vidéo, elle n'a même pas parlé. Elle chantait. Elle chantait aux lyrics de la chanson qui était là. C'était une chanson de rap.
Mais tellement que nous, les Congolais, on veut des futilités. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux sont des futilités. Vous allez commencer. Karine Mokonzi, qui a commencé les réseaux sociaux dès le bas âge, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans des futilités. Vous prenez Grace Mbizi, même chose. Gloria Olan Lam, toutes les femmes congolaises sont dans des conneries. Même Nicki Minaj qui est venue, elle n'a rien dit, elle n'a jamais parlé. Elle a toujours protégé même Fally. Elle a toujours dit de ne pas insulter Fally. Elle est aussi insultée puisqu'elle a protégé son mari avec ses enfants. Elle était victime des critiques et des insultes. Dans la communauté, bafingaka, quand on veut protéger quelque chose, on veut interdire les choses, bah comme on finga payo. Moi, même si tu m'insultes parce que nous avons défendre les enfants, je m'en fous. Ce qui me fait mal, bino ba maman, vous les mamans, vous avez des enfants. Vous les mamans, vous en abana, dans vos maisons, vous avez des enfants, des filles. Il y a des filles qui traversent les moments difficiles. L'âge de puberté, l'âge d'adolescence. Il y a aussi les enfants métis qui ont des couleurs de papa et maman de races différentes. Des tribus. Quand les enfants vont à l'école, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas les troubles qu'ils traversent là-bas à l'école. Quand ils sont à l'école, peut-être quand ils sont à la maison, bazar koseka. Mais vous ne savez pas ce qui est sous conscience et l'autre ça koleka. Au lieu d'encourager les enfants, quand les enfants sont sur les réseaux sociaux en train de sourire, au lieu de les applaudir, que bozo comme on a bana bazo kola, ça pour ça là bas dégâts. Combien des enfants y a bas âge on a bazo comme iboma pour na bas stress. Combien de bana y a bas âge jaboy bazo comme iboma parce que bato bazo ko finga bango bazo finga papa ba finga maman ba mi sentir mal à l'aise ba mi bomi pour na soni pour na kanda. Mais il y a des enfants qui surmonte tout ça. Les enfants qui vont au-dessus de vos bêtises. Bazako s'égayer. Les enfants sont en train de danser, de s'amuser. Pour montrer même le plaisir que les enfants ont. Au lieu que la communauté puisse soutenir les enfants là. Au lieu que la communauté puisse dire, oh, nos enfants vraiment, il faut fierté de notre communauté. Ce sont les enfants qui font la fierté de notre communauté. Mais kakabiso, au lieu que tu la makambu positivement, Moussala n'a pas à côté de la macambo négativement. Au lieu de protéger les enfants que nous voyons en train de surmonter, insurmontables, les enfants qui ont été ici il n'y a même pas un an, le sujet des insultes sur les réseaux sociaux. Mais les enfants ont survécu les insultes, elles ont surmonté tout cela. Au lieu de dire gloire à Dieu, au lieu de dire merci Dieu pour être généré avec la famille ici de Nicki Minaj. Grâce à Dieu, nous avons ces enfants-là en train de sourire. Mais sur les Congolais, bah, y a beaucoup de mamans aussi qui insultent ces enfants-là. Les mamans, vous, les mamans, vous avez aussi vos propres enfants dans la maison. Mais vous insultez les enfants d'autrui. Pendant que vos enfants, d'autres ont 8 ans, d'autres ont 6 ans, d'autres ont 15 ans, il y a les enfants aussi qui viennent, qui vont passer dans la même situation. Personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît demain. Toi qui insultes les enfants de Nicki Minaj aujourd'hui, elle danse, à cause de danser, tu insultes quelqu'un. Tu les insultes. Tes enfants, ils vont passer dans la même chose. Il faut d'abord être. Il faut que ça l'anime, tu as Sony. Les enfants d'une star comme Nicki, Fally Ipupa. Les enfants de Fally Ipupa, Fally. Je suis sûr qu'elle peut voir l'école à pied en autobus. Vous savez combien il y a de tentation bazako kati se bazako traverser. Moi na ya Fally, eza moi na ya soki ya évolu côté. Eza moi na soki ya nanité, moi na ya Fally Ipupa. Mon beau frère propre. Tam subana ne bazo zwa ba bus public wana po ba kende classe na ebite na lobby kaka. Boebi combien de garçons o bazana posa pe baloba ke tobimana bana ya Fally. Et ça n'a pas combien de bateaux, ça n'a pas ça détruire bana ya Fally pour Fally, ba yo ki sa Fally pour personne pour na ko ba détruire famille na ye.
Mais gloire à Dieu, tous les gens qui ont été surmontés par les montagnes. Gloire à Dieu, nous avons protégé les gens. Mais vous, les Congolais, c'est le numéro 1. Il y a qu'à critiquer. Congolais, pourquoi vous ne vous Congolais, quand vous voyez quelqu'un avancer, vous avez toujours tendance de les pousser dans la poussière. De les retourner dans la poussière. Toujours comme ça. Quelqu'un que Dieu veut élever, vous êtes là en train de plaidoyer à Satan. Satan, please, salaire mabe. Pourquoi Congolais vous allez kaboy? Je vous dis que vous aussi vous échouez, puisque vous êtes en train de faire de n'importe quoi. Même Fali pour payer mon quoi ayebi. Ceux qui attendent les vidéos, n'a pas que Eza ba makambuna bi na ba Facebook, ba YouTube, on a ba polémique à pam pam. Moi, naza ya yote. Aza ya binote, akotika la peko zala ya binote. C'est comme, je parie. Tant sur la famille na bino, vous n'avez jamais même une très belle fille comme la fille Kélia. Dans votre famille, vous n'avez jamais une fille qui a une très belle taille comme Kélia. Très belle taille comme sa maman. Mais tellement que jalousie, comme on a une très belle créature. Vous êtes jaloux que tellement que moi, à l'équipe famille, je suis en beauté. Vous avez jalousie parce que moi, à l'équipe famille, je suis en taille. Je suis en taille. Moi, je suis en classe. Moi, je suis en classe. Moi, je suis en classe. Moi, je suis en moi na la botami na hamburger, moi na botami na miliki, mais yo okoli na pasi, okoli na bikebuko soki nini, ba bile moko ya tradition, ya mboka boza kolala kuto za kolia une fois par jour, ozui chance ya okota na poto, okomi mutu ya kanda, kanda na osika oli, tamu supe ozo resiri na oye na poto mozo resiri te, sika kanda wana ezo komiso mutu ya jalousi, mutu ya bilobela, bana oyu. Botala nanu bano bazana relation nini na ba polemique na bino relation nini za entre bino na baba na ba petit oyo bana mike boyebanite boza ekolo moko te bosolola kate mais bozo ko créer babilo boza na kana réseaux sociaux eloko nyoso ba kosala bo memi bo komisi yango baise eloko nyoso ba kosala e komi baise pona bino vi na bino pona pona kolia il faut kolia na makambu ya salité. Bota la ba chaîne ebele ya ba Congolais depuis kala ba o ebanda ki tozo na ba Congo so ina number 1 so ki digital so ki ni ba chaîne ebele ba Congo promo so, ba chaîne za la ki ebele e ma mode mobala mande fu ya pembe so ki zoro ma ba chaîne one za la ki le loza isusu te nyoso boza ko sala e ko sala na suka e moment donné et puis boko sala sika nini inventaire bosala ki nini nini nde bosala ki bouti wapi bokomi wapi botiki nini batu botiki li batu nini comme souvenir a part ko finga kokomi sabana ya batu bozo boza ko buli boza ko harceler les enfants parce que boza pona objectif na bino za visibilité kaka ba nini ba vie mais au profit ya nini ya ko détruire bana. Bana ebele baza kokufa pona ba bêtise ya boye. Soi botiki biloko wana te eza choix na bino. Eza choix na bino mais il faut savoir que quelqu'un peut tomber à cause na biloko wana. Bokoye bate puisque eza eza fait eloko sali lelo oleki na yo. E fait wana e kozongelo après 10 ans, après 20 ans, soit soko kufi. Bana na oti oza kotika. Fabien na eza wana, il faut kozala prida na makambo za kosala. Nyoso yoka kapo nikimenga azako vivre vie naye paisible sa trouble sa stress na kimia nyoso biro ba jaloux oboza wana pona ko détruire ko déséquilibrer ko tia ba bateau dans les roues ya famille oyo bozo zwa nini depuis bo bandaki ti lelo résultat je vous assure que boza pe na résultat malongate puisque bango nyoso bazako vivre. Tozo mwona keina azo kende klasi. Keli azo kende klasi. Nikimenga zako sala vina ye normali. Bozui nini? Mutu atama uko pete akufi. Mutu amemaki makambu abandaki babetizi yoyu. Tina ye pupa. Bozo mwona vina ye peza normali. Ndi yangu bozo mwona azako vimba. Azako vimba. Ndiyo mapa moko. Bazako vimba. Forme zati. Mebobo zako finga. Bazako vive vri moko ya kimia. Descente yango za ko pesa bino jalousie kanda bale ko nangai soki oza mama
ozape na bana yekola yebela parce que vie oyo ezalaka tour na tour okofinga boye mafinga ezongeli peyo eh o na lobaki te noko ya bana zawa.